Hello, 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 Ça y est, on commence? Ouais. Ben, comme vous le constatez, après 7 heures d'horloge, je viens de terminer ma déposition faite auprès de la DIC. Cela fait 3 ans que je demande à pouvoir faire ouvrir, contribuer à une enquête qui aurait dû être ouverte à l'époque suite à un courrier que j'ai adressé à M. le Président de la République attirant son attention sur des faits totalement anormaux, d'une gravité extrême, et qui à l'époque portait bien entendu sur l'attribution de permis pétroliers à la société Petrotim, au groupe Petrotim, Petroasia, ce groupe de M. Franck Timis. J'attirais également son attention, toujours en 2016, sur le fait que ces attributions avaient donné lieu à rédaction d'un faux rapport de présentation et que lui et moi avions été sans doute trompés par ce faux rapport, un vrai faux rapport d'ailleurs, c'est un rapport signé par le ministre Alain Guindaï, à l'époque ministre en charge de l'énergie, mais qui contenait de fausses informations, lesquelles fausses informations étaient destinées à violer la loi et à violer la réglementation sénégalaise. Depuis, comme vous le savez, il n'y a jamais eu de réaction. J'ai également écrit au procureur, il y a de cela 16 mois, l'année dernière, au mois de février. Il n'y avait pas eu de réaction. Il a fallu attendre qu'un de vos collègues de la BBC fasse un reportage pour qu'enfin on puisse être entendu dans le cadre d'une enquête qui a démarré. Donc il m'était difficile de ne pas venir déposer, de ne pas venir dire ce que je savais, de ne pas venir dire tout ce que je savais, en précisant que je ne suis pas dans une logique de dénonciation, je suis dans une logique de restaurer les droits et de réparer les torts faits à la nation sénégalaise, au peuple sénégalais, avec cette affaire d'attribution de permis pétrolier via Franck Timis à des sociétés que sont Kosmos et BP. Évidemment, on va regretter que cette enquête ne commence que maintenant, parce que depuis 2016, peut-être même avant, avec la disponibilité du rapport de l'IGE, il y avait possibilité d'arrêter un processus qui se traduisait par des pertes particulièrement importantes, dont les chiffres à des milliers de milliards, subies par le peuple du Sénégal. Mais mieux vaut tard que jamais, parce que je ne désespère pas et je pense qu'il est encore possible, de retirer les décrets, de remettre en question les attributions qui ont été faites au profit de Kosmos et de BP et de renégocier des contrats dans de meilleures conditions pour le peuple du Sénégal. Cela se traduira bien entendu par des gains importants qui pourront être destinés à l'emploi des jeunes, à la santé, à l'éducation. Vous voyez, je donne un exemple. C'est après 2016 que Franck Timis a pu recevoir 250 millions de dollars de BP. Ça fait 140 milliards de francs CFA. 140 milliards de francs CFA, ça permet de construire 10 hôpitaux au Sénégal. Ça permet d'éradiquer le système d'abri provisoire, de construire autant de salles de classe que nous en avons besoin. Ça permet de respecter les engagements signés, acceptés, qui ont été pris à l'endroit des enseignants du Sénégal.
ce sont des milliards qui se retrouvent dans la poche d'un aventurier, d'un mafieux, et ça c'est inadmissible. Il faut que le Sénégal, que le peuple du Sénégal puisse recouvrer ses biens. Alors ça a été très long, je ne peux pas en faire un résumé. Ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif, c'est faire rendre justice par l'éclatement de la vérité, également réparer les torts subis par le peuple du Sénégal. Et dans ce cadre-là, il ne faudra pas faire dans la demi-mesure. Il y a des délits d'enrichissement illicite, il y a des délits de haute trahison, il y a des délits de faux en écriture publique, il y a des délits de faux en documents administratifs. Toutes les personnes concernées doivent répondre de leurs délits, de leurs crimes, encore une fois, au profit du peuple sénégalais. Et Cosmos et BP ne peuvent pas se réfugier derrière des due diligence qui auraient montré qu'ils étaient au courant de tout. Ils étaient au courant de la fraude. On ne peut pas acheter des permis pétroliers d'entre les mains de quelqu'un qui n'y a pas droit. Or, c'est le cas. Donc, ils savaient qu'ils n'étaient pas dans la régularité. Ils ont eu pour interlocuteur, à un moment donné ou à un autre, Aliou Sall, comme représentant des intérêts de Franck Timis. Or, il y a conflit d'intérêts avec le chef de l'État. Ils ne peuvent pas ignorer tout ça, ce n'est pas possible. Ils sont également, et c'est comme ça qu'il faut traiter ce dossier, ils sont également concernés par la réparation des torts faits au peuple du Sénégal. Donc aussi bien les représentants de l'État, chefs d'État, ministres, et également certains responsables de l'administration devront être impliqués, mais il ne faudra surtout pas considérer que Cosmos et BP sont hors de toute illégalité. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Et je pense que nous avons réussi à démontrer cela aux enquêteurs de la DIC. Vous avez été entendu dans quelles conditions? Pardon? Vous avez été entendu par la DIC. Quelles ont été les conditions de cette audition? Les conditions? Est-ce que vous avez été aussi reconvoqué pour à nouveau? Non, je n'ai pas été reconvoqué, en tout cas pour l'instant. Ça a été long, hein. J'ai quand même répondu à, je crois, une vingtaine de questions. Et moi-même, j'ai mis entre leurs mains un document qui fait un peu moins d'une centaine de pages et qui concerne d'abord mon témoignage avec tous les détails qui sont justifiés et puis surtout toutes les annexes, puisqu'il est important dans un témoignage de cette nature de toujours avoir à l'appui des documents probants. L'imamène en avoir d'alti, d'alti, d'alti ou alors modine tok na fi djourom ñaari waxtu di wax ak wa dik waron na jitam sax sank bi may wax ci tubab mais dama ragalon ñew ñu tejj ma ci neeg bu tangé jeur bu ñak ngalaw waye lolu fekk mako fi ci deug deug sal bu climatisé la won comme djourom ñaari waxtu mom ndegem tok di wax deug rek la won meun nañu japp né ay djourom ñaari waxtu yu neexal liñu taxa job nak ñun té ñu yag ko laaj. L'âge n'est que 2016 bignou bindé président de la République. L'âge n'est que 2018 bignou bindé procureur de la République. Moi, tahawal enquête, bambana ham, loutach nu djel pétrole bi, permis pétrole, kayarak Saint-Louis profond offshore, djorko kounou wa Franck Timis, te hamoutia dara, amoul alel boukomene ligé, tikaurek digante mak Aliou Sall, bannopinak. Lolu mëna am ci kaw war yoon bo xamné Ali Ngui Ndiaye bi bind rapport yi xamone nako mënu ko wona baña xam enquête bobu lajoon nañ ko musuñu ci am dara waye tay ci kaw enquête bi ci bi nga xamné bi ku nek déglu nako procureur ubina enquête enquête bo xamné nit c'est pas contraignant manam duñ la forcer nga ñew. Waye man day lima yoron ci deug war ko xamal ñi doxal yoon amon na yakam ci won na wara ñew ba mën ci waxtaan ak ñew lima xamone yeb wax na len ko lolo tax mbir mi yag ñom ci sen bop amna ñaar fukki question yo xamne laaj nañ mako me tontu len ci man itam amna dama dikkon ak sama rapportu bop bo xamne bi
tout direct le moment de ce nous page bah il n'a rien quoi expliquer rien l'inti harnak moi négem deg fein ah yon warado ben kep ko xamne togn na kep ko xamne warna yon ñu dal sa kaw buñ ci bayyi kenn nak ndax man day ñuma leen wax ke geneewuma ci président de la république geneewuma ci aliou sall geneewuma ci ali ngou ndjay geneewuma ci it ñi nga xamne ñi ñom ño nek ci pétrole bi tay muy cosmos énergie ak bp ndax xamone nañu biñuy jënd ci franc timis ak aliou sall permis pétrolier xamone nañ nañ ngi koy jënd ci loxo yo xamne waru ton ak yenen ci kaw lan bu lolou feñé deug ne fang bu boba nak ñu xam ñaata lañu wara tello peuple du Sénégal ci walum alel naka lañuy def itam ba sétat contrat yi ba mu gëna mëna am ndjeriñ Sénégal ak Sénégalais deglu nañ la tay ji ndax woowat nañ ah man day ci signé na nénañu day PV bi mom mo gëna guddé yi mi fi mësa am yépp kon yakar na né contane nañ ci waye sa yu ñu buggé lenen ba ñu xotal dara je suis à leur disposition ndax am nga li nga dëncat yenen kon nga né dafa am yenen yi nga dëncat yenen ñuma dëncat ah nga dëncat comme né nga buñ la woowaté da ngay ñëw man bu féké né man dëgg dal kuma ci o ma ñëw man awma ñaar lolu mo bu len ci am ñaari xel kuma o ci wax dëgg dina ñëw wax la dëgg té nak néna len itam li enquête pétrotim la ci ñaari ëpp na téne sax ñaari permis waye amna itam ay enquête yo xamné dor na ko mu jëm ci yenen yi permis lepp luma ci xam sa yuma ci gissé né war nañu yoon war askanu Sénégal dina ñu def sama déposition. Merci. Salam. Merci.